Bonsoir tout le monde et bienvenue en direct sur 99media.org. Welcome everybody, we are live on 99media.org. Ce soir, en direct du coin de Barrie et Ontario, nous allons assister à une manifestation ainsi qu'une action pour la veille du 1er mai. So tonight we're going to have a demo and an action for the pre-May Day protests that are going to happen tomorrow, but there's an action and protest that's been called out tonight. Alors, il y a déjà un gros rassemblement policier un peu sur le tour du parc où ce qu'on est. Le pick-up blanc, camion flûte du SPVM, avec la petite boîte grise sur le dessus du cab en avant, c'est un LRAD, Long Range Acoustic Device. Ça peut faire exploser, ça c'est un LRAD 300, et ça peut faire exploser les tympans sur 1600 mètres en ligne droite, sur une bonne largeur aussi, là. Mais 1600 mètres de portée, ça peut faire littéralement faire exploser les tympans des gens qui sont en avant de ce véhicule-là. Alors, le camion flûte du SPVM vient d'être aperçu. Les équipes anti-émeutes sont au fond. La brigade urbaine bien présente avec ses vélos. J'ai aussi pu voir en chemin d'autres équipes anti-émeutes qui sont situées à deux coins de rue d'ici. So now in English, there's a good police presence all around the park we're in right now. Public address truck with the LRAD has been spotted, including the communication truck for the riot teams. And there are a few more riot team squads that are parked a few blocks away from here. But there are some that are in plain sight. We can see the urban brigade over here with their bicycles. And in the back down there, we can see the minibuses of the riot team. Salut! Le journal de l'AC, l'ultimatum. Ouais, on est plus qu'en route vers le 1er mai. On est rendu, on y arrive au 1er mai. Alors, banner, May Day, General Strike. So we can see the people still gathering inside the park. Ça fait un beau petit step, ça, ici. OK, groupe d'intervention qui est en approche du parc. Intervention squad coming in from Barrie. Bonsoir. Donc, c'est le côté de Barrie, groupe d'intervention. OK, tu me donnes le coup, parfait. Là, est-ce que je te passe? Là, je suis déjà live, puis j'ai lui qui me suit. Je suis Mikey sur cette caméra-là. C'est un autre membre de 99 Media. Là, attends une seconde. Tiens mon pod. Je vais juste te placer la caméra pour qu'elle soit... Non, sur eux autres. Est-ce que tu sais comment opérer ça, cette caméra-là? Vraiment pas. OK, je vais tout te placer. Ça, c'est beau. On va te rajouter un peu de couleur.
beau, Guizot est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, parfait. OK. Record. Okay. Tu le pèses une fois, il va repartir, il est supposé repartir tout seul. Le micro, si le son devient jaune, tu as des barres ici en haut. Si tu veux que ça va dans le jaune ou dans le rouge, tu peux jouer avec moins 10, 0, plus 20 ici. OK. Comme ça, et c'est ça. Tu parles d'enregistrement, tu l'arrêtes, that's it. Pour l'instant, c'est bon. Essaye de garder l'écran ouvert comme ça, parce que le processeur de la caméra est juste là, puis quand l'écran est fermé, exactement, ça chauffe. Fait qu'afin d'éviter que ça chauffe, ben, on garde l'écran c'est de même. Bon. Puis les batteries sont pleines dedans, il y a peut-être une cinquantaine de photos qui ont été prises, fait que ça devrait être bon pour au moins 1h30, 2h avec ça. Okay. Ta distance, tu peux jouer avec le zoom ici, okay. La grosse roulette, le focus, la petite roulette, mais il est en... Attends un peu, moi, te le mettre en manuel. Le focus, c'est sa petite roulette ici. Tu vas voir des... Regarde, quand tu joues sur le focus, tu as ce grosse boîte-là qui apparaît. Regarde, elle a disparu, là, mais tu retouches à la roulette, là, il réapparaît. Là, c'est tu fais cool, ton focus. Ton focus, c'est le petit carré que tu vois juste au bout de mon pouce. OK, j'essaie d'avoir ça. Ça magnifie la grosseur de ton petit carré pour que tu puisses voir quand tu es vraiment en focus. De toute façon, ça va virer blanc, vert. Vert, ça veut dire c'est correct, je t'en prie. Vert, ça veut dire que tu es en focus, exact. Les usagers de la route, nous vous demandons de vous déplacer dans le même sens que la circulation. Vous avez le droit de manifester en autant que vous l'exerciez de façon pacifique. Aucune infraction ne sera tolérée. Si vous en commettez, les accusations pourront être portées et nous devrons mettre fin à la manifestation. Public address truck just made the usual call. Le véhicule, le camion flux du SPVM qui fait l'annonce habituelle. Alors, on est toujours en direct de la grande manifestation et action de la veille du 1er mai sur les ondes de 99media.org. We are live from the protest and action for pre-May Day on 99media.org. So we are still on the corner of Barrie and Ontario where the people are assembling and gathering for this demo in action. Alors, on est toujours au coin de Barrie, Ontario, où les gens se rassemblent pour la manifestation. Ah, c'est pas Tiggy? Ah, il est là. Ça va? Yes. Ton doigt, comme non, il va infecter encore. C'est slasher un doigt, hein? Ouais. Puis j'avais des points de suture dedans, mais à l'intérieur du doigt, il y a un point de suture qui n'a pas fondu, puis là, il est en train de faire une infection. Fait que c'est un accident de manif qui n'a pas rapport avec ta manif, c'est ça? C'est un accident de manif. Ouais. D'une manif dans la glace, là, on va dire de quoi. J'en ai un autre camion spécialisé complètement en haut de la côte, un gros cube. C'est le soutien technique pour les équipes d'anti-émeute. C'est dans ce camion-là que les boucliers, les grosses matraques puis les casques sont trimballés, incluant les fusils. Arwen 37 mm, qui est un gros six-shooter qui peut lancer soit des grenades lacrymogènes, des flashbangs, ainsi que ce qu'on appelle des bâtons kinétiques, qui est une balle de plastique gros format, de la grosseur d'un baseball. C'est ce qui a causé des pertes d'œil à Victoriaville.
Il est complètement en haut de la côte, si tu le cherches, si tu veux le spotter, là, il y a deux petits carrés rouges dessus, complètement en haut de la côte, là-bas. Okay. Belle photo, tu cas. Je me fie pas à la ligne verte, je le vois quand il focus, quand il flou. C'est ça, oui, okay. Oui, tu peux te fier à ton œil, mais tu peux te fier à la ligne verte si jamais tu y arrives pas. C'est la ligne là, qui diagonalise, là. Je viens vert des fois. Non, ça c'est pour savoir si ta caméra est droite. Ah, ok, ok. Ça c'est vraiment là, arriver à verte la grande ligne de traverse pour te dire c'est si la ta ligne caméra. En haut, puis en bas. C'est ça, la ligne en haut en bas du carré direct, c'est ça. Okay, okay. C'est là. Enregistrer un peu ben, l'idée que tout le monde filme ce qui se passe. How's you? Good, you? Good. Warning, I'm Mike. On that camera, he's on me for the night. He's doing a documentary on the power of citizen image versus the power of repression. Oh, wow. Okay. Awesome, dude. Awesome. I won't say anything incriminating around you then. Yeah. We'll never I don't say care. I'm live. So am I. Are you live right now? I will be in a couple of seconds. Là, mais là, il est arrangé le Teradek. Minus file issues. Ouais, c'est juste les couleurs. Plus ou moins. Là. Ça va être encore rouge, mais l'image est parfaite. Je la porte même plus ma veste. Enfin, je trouve que ça donne un look trop police. C'est pratique, Mike. Oui, j'en ai une semblable. Ouais. Moi, elle a même plus de poche. Elle ressemble vraiment la plus. La mère de l'affaire de police. Oui, ben, la mienne, elle sort d'un surplus d'armée. Stream par là. Je les ai montrés, les flics. En masse. Il y en a tout le tour. T'es live. Oui, je le sais. Et en passant, des méchantes belles photos de coupons. Merci. De coupons vieux Montréal. C'est bon, tu suis avec les autres. Tu peux te calmer avec les autres. Ben oui. Moi, je vais y aller moins souvent. Là, fait 3 jours, je vais laisser un break. Je vais te laisser aller. Oh, ouais. Je coupe le son. Cutting the sound 2 minutes. Je coupe le son 2 minutes. Ben, ça facilite les affaires pour certaines affaires. Oui. OK, le son est de retour. On est toujours au coin de Berry, Ontario. Alors, la foule continue de grandir. Crowd is still getting bigger. We are still on the corner of Berry and Ontario. I have no clue if there will be speeches. J'ai aucune idée s'il va y avoir des discours. On peut s'essayer d'avoir une petite entrevue vite aussi sur le fly. On va essayer d'aller trouver les porte-paroles. Porte-paroles sont. J'irai voir les gens pour ta bannière. Ah, bannière. Là, je me vois. Là, je m'en venais pour essayer d'avoir une entrevue.
là, je viens de signer un porte-parole. On m'a dit tout à l'heure que j'en avais, fait que... Je suis... Grosso modo, le pourquoi de la manif à soir. Ben, c'est ça, principalement, grosso. Le pourquoi de la manif et le. À quel point on est bien entouré, si je peux dire ça de même. Ouais. Hey, là, ils sont même dans le parc, là. Là, là. Ben, je veux pas rajouter à ton stress, mais tu sais ce que je fais? Non? Oui? Oui? OK. Elle est en direct. T'es en direct. Bon, ben, on est ici. Yeah. On est regroupés au coin Berry et Ontario. C'est une manifestation qui est organisée par les syndicats industriels travailleurs-travailleuses, donc IWTB pour la section de Montréal. On est ici aujourd'hui pour faire une manifestation un petit peu festive pour lancer le 1er mai, qui est demain. Ça fait depuis le début de la grève étudiante. Les forces policières, quand elles sont assez présentes à chaque action, ça fait quand même beaucoup. Je veux juste mettre ma caméra sur eux autres, mais tu peux continuer à parler. Le micro est ici devant le top. Mais oui, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de répression. C'est sûr que ça se voit sur les manifestations qu'il y a de ce temps-ci. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas le nombre qu'on aurait pu être s'il n'y avait pas eu autant de violence de la part des forces policières à l'encontre des manifestations. Des déclarations de manif illégales avant même qu'elles aient commencé. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe, auquel on s'oppose entièrement à la répression et au profilage politique. On est un groupe qui quand même en manif, on est ciblé de manière traditionnelle, on a tout le temps des entre-émeutes de chaque bord. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe, sur lequel... Effectivement, je peux témoigner qu'à chaque manifestation, les contingents des Woobies ou de l'IWW sont toujours encadrés par les groupes d'intervention et l'anti-émeute est jamais bien loin. Ça, je peux le témoigner moi-même. Là, en ce moment, effectivement, so quickly in English to translate what's just been said. Tonight it's supposed to be a festive demonstration and action for pre-May Day, that is tomorrow. There are over 700 organizations that are on strike for tomorrow. And there are some organizations that are on illegal strike for tomorrow. And as for what the guy says, he was talking about all the police repression and profiling, mentioning how much the Montreal police surrounds the IWW contingent always. So anytime they see that black or red banner, they are always aren't far from it.
chose, j'ai donné à quelqu'un d'autre, j'avais pas de... J'avais comme, j'avais pas de main, là, j'ai Ah, 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 wow, 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 wow! Ah, t'as peur! Hi! Ouais, j'ai passé une partie de l'après-midi, là. Donc, là... Non, je l'ai lu. Ça va, toi? Ouais, toi? On va demander un café. Non, c'est bon, merci. Non, là, je cherche mon autre... Regarde! Comme d'habitude, là! Les menaces pour pas grand-mère. Alex, je t'ai perdu. Ouais, Gab, je sais pas où que t'es. Ton caisse dans ton sac. ouais, regardez, on va le mettre. Ah! J'entends, moi. Oui, je sais, c'est pour ça que ça a fait comme hey, je suis Mike. Là, j'étais avec les musiciens, j'ai pogné dessus parce qu'on les entend beaucoup, fait que je voulais enregistrer un peu, puis c'est beau en même temps. Ouais. Oh, yeah. Mais faut pas de signe de communication avec l'autre équipe pour pas. C'est bon. Pas de risque d'aller. Ouais, ouais, ouais. Sûrement un casque, je pensais que ça serait pas fait, mais c'était une risque normalement. Ben, ça peut arriver que tu sais directement. Ouais. Ouais, je savais que tu m'entendais, c'est pour ça aussi. Ben, il m'a collé. Alex, je t'ai perdu. Là, j'étais là, puis j'essayais de voir. J'ai dit, ouais, la grosseur de Momo, que je suis son micro, m'a le voir. Agnès, tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est live, pareil. Hein? Ouais, moi, c'est une question de genre, si on serait 500 à le mettre, il n'y aurait pas de scène avec le casque, il n'y aurait pas de scène avec le corps. Il faut commencer, tu sais, à le faire. Je suis sûr que si tu l'as, puis moi je l'avais même comme éthique, plus. Alors, on est toujours au coin de Berry, Ontario, pour la grande manifestation pré-1er mai. Sur les ondes de 99media.org, we are still live from the corner of Berry in Ontario for the pre-May Day protest on 99media.org. Alors, la foule continue de grossir tranquillement. Crowd still getting bigger. A lot of police presence now. They're all surrounding the people in the park. Il y a des groupes un peu partout de policiers, les groupes d'intervention. Qui sont dans le parc, tout autour des groupes de manifestants. Est-ce qu'il faut tout que tu regardes, qu'est-ce que tu as fait, pour voir qu'est-ce qu'ils font la peine, divisé pour mieux régner. Comment essayer de foutre la merde entre moi et tout le monde? Puis regarde, ça servirait contre eux autres, les accusations sont tombées pour tout le monde. Est-ce que t'as pas le droit d'utiliser ça comme preuve pour la presse?
Ça y a pris un mandat de perquisition pour pouvoir utiliser du stock. Sauf Benoît et Valcat, puis trois autres, là, ils ont fait acquisition. Ouais, mais depuis ce temps-là. Ouais, non, mais eux autres, c'est parce qu'ils ont des requêtes qui sont encore en délibéré à cause. C'est quoi ton nom, Catherine? Simon. Simon, ouais, dans le fond, Simon, maintenant, tu pas de plus, tu me fais de plus, tu pas de plus. Non, ouais, mais même moi, je me fais ramasser à cette heure. Ouais, mais c'est jeudi passé, j'ai failli être en souricière. Et par après, j'ai collé à la Liberté de presse et ils m'ont poussé pareil au coin de Berry de Maisonneuve. Ouais, mais c'est toute l'idée de. Moi, j'appelle ça l'hégémonie culturelle, qui est un concept d'un politologue, Gramsci. Il dit que dans le fond, si on l'avale, on le consentement de la majorité, c'est pas grave. C'est ton média est pas assez connu. Ils font jamais ça avec un journaliste de TVA, tu sais. Ils veulent pas bien paraître. Ah, je trouve une situation pile et une situation dans la presse. Ouais, c'est un gars qui savait pas ce que ben, c'est le police qui savait pas ce que ça faisait. Non, c'est un gars qui s'appelle là. Il a ramassé de dos en plus. Mais c'est ça. C'est ça que si je comprends bien ton propos, si tu mets pour prendre, il y a de l'intimidation par rapport à ça. Média, point. Pas besoin d'ajouter l'alternatif. Média, point. Tu sors les mauvaises informations. Si tu sors de quoi de dommageable à l'image, ça va? Ah oui, il n'y a pas de tonton, j'ai pas de pain, j'ai pas rien, fait que petit arrêt, c'est ça. Ouais, je sais pas si c'est speech ou quelque chose juste pour la foule ou des directives. Hey Justin, ça va? Ouf. Ready for tomorrow? J'ai aucune idée de ce que je m'en vais retourner de mettre tellement que je suis fait. Ouais, mais... Ça commence à 5h demain matin, ça va être 4h demain soir. Ouais. À qui la rue? À qui la rue? À nous la rue! À qui la rue? À qui la rue? Alors, c'est parti pour cette grande marche festive pré-1er mai sur les ondes de 99media.org. The demo's on for this pre-May Day. Demo live on 99media.org. Alors, fidèles à leurs habitudes, les SPVM et les groupes d'intervention suivent directement la bannière. Ils suivent directement la bannière des IWW. So, the usual
intervention squad still following the IWW banner, as it's been the case for the past few years. No matter how big the demo, the moment that banner's around, the intervention squad is following it. Alors, peu importe la grandeur ou la grosseur de la manifestation, la seconde que la bannière des IWW, aussi connue comme les Woobies, se présente une manifestation, les groupes d'intervention encadrent immédiatement le groupe qui suit la bannière. Alors, la manifestation est sur Berry, direction sud, protest now, heading south on Berry Street. Timestamp, 7:06. Ah ben, Cardis, ils vont faire le même coup. Ben oui. OK, au premier coup d'œil, le SPVM va refaire le coup du carré de sable. So, once again for a protest, looks like the Montreal police are going to do the sandbox again. Ce qui veut dire Berry, Sainte-Catherine, Saint-Hubert, Maisonneuve, soit les quatre rues qui entourent la place Émilie-Gamelin. So, from what I see, the protest is going to be limited to all four streets surrounding the Place Émilie-Gamelin Park, which is the usual park where protests are gathering before taking the street. But right now the park is closed for another week because they're setting up some sort of, God knows what, they're setting up something. Les Jardins Gamelin, oh my God, they're trying to make the Gamelin Gardens. Alors, on peut voir Sainte-Catherine et Berry barrés en diagonale. Donc, ça laisse que le côté est de Sainte-Catherine. C'est son numéro à lui. F Valley avec le Harwin.
Helmet 1467 with the Arwen 37mm gun. Ah, exactement, ils refont le coup du carré de sable. Alors, à Saint-Hubert, c'est barré en oblique aussi. Impossible vers le sud ou vers l'est. Et si je regarde à Saint-Hubert, Maisonneuve, exactement, il y a un autre groupe de policiers qui va barrer la rue en oblique à Saint-Hubert, Maisonneuve. Donc, c'est encore une fois le coup du carré de sable pour une manifestation. So now in English, it's the sandbox trap again. Police only leaving four streets surrounding the Émilie Gamelin Park. Exactement. On garde les extérieurs. OK. Merci, man. Là, présentement, à ce qu'on assiste, c'est le coup du carré de sable. C'est toute manifestation dans les deux derniers mois. Peu importe d'où ce qu'ils partent, ils ramènent les manifestations autour de la place Émilie Gamelin. Et comme on a pu voir à Berry, et comme on peut voir ici à Saint-Hubert, sur Sainte-Catherine, c'est barré en oblique. Le SPVM n'accorde seulement que les quatre rues qui entourent la place Émilie Gamelin, soit Berry, Sainte-Catherine, Saint-Hubert et la rue Maisonneuve en haut. OK, après un moment d'hésitation au point de Saint-Hubert-Sainte-Catherine, la manif reprend la marche. So after a short stop of hesitation on the corner of St. Hubert and St. Catherine, the walk is now started again. Le match est fait, regarde. Oh, ben t'es un peu. Ils n'ont pas de l'air à barrer, c'est-tu? Hey, ils ont barré, mais c'est tellement... OK, Maisonneuve barrée vers l'ouest, vers l'est, pardon. Même combat, ailleurs, étudiant! Même combat, ailleurs, étudiant! Même combat, ailleurs, étudiant! Workers, students, same fight is being called out, is the slogan being called out right now. Okay, maintenant, Saint-Hubert, Maisonneuve. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Maisonneuve bloquée vers l'est, mais vers le nord, c'est ouvert. Oh, oh! Ça a l'air qu'on... C'est pas le carré de sable. Mais il y a de l'air à bien d'allier. Le SPVM qui lead la manif en décidant son trajectoire. Donc, c'est un changement de plan aux habituels derniers mois qui limitait le carré de sable à autour d'Émilie Gamelin. Là, maintenant, la rue Saint-Hubert est ouverte vers le nord. So, there seems to be a change of plan by the Montreal police. Because the last months, it was usually the four streets surrounding Émilie Gamelin Park. But now today, as we can see right now, we are walking on Saint-Hubert, heading north on Saint-Hubert, and we are past Maisonneuve, so, which means we made a
not exactly a U-turn, but we've rounded Émilie Gamelin from Barrie to Saint-Hubert by St. Catherine. So right now it's Saint-Hubert heading north. Ça m'étonnerait. Ils n'ont jamais donné leur itinéraire, les Wobbies. La squad de vélo qui vient de croiser sur le trottoir. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, les groupes d'intervention vraiment de chaque côté des bannières de l'IWW. Alors, sur ma droite et sur la gauche. So, Intervention Squad, as mentioned earlier, surrounding the banners of the IWW. So on both sides, there are intervention squads. OK, gros déploiement policier à Ontario. Saint-Hubert, Ontario, il y a un gros déploiement de policiers. OK, a big deployment of officers on the corner of St. Hubert in Ontario. So, apparently the sandbox has been opened to an extra block. Donc, Saint-Hubert barré direction nord, Ontario barré direction est. St. Hubert blocked north. Ontario Street blocked east. Déploiement à Saint-Hubert, Ontario, avec l'anti-émeute juste à l'arrière, sous la supervision de Mr. Mister... 0176 qui dit aux gens de continuer vers l'ouest avec un mégaphone. C'est pas ça une manif.
son numéro, lui. 4, 5, 2, quelque chose. J'ai pas été hâte de le spotter. Alors, on est maintenant rendu sur Ontario, direction ouest. Now, Ontario Street, heading west. The police is this, the Montreal police is the one deciding the trajectory of this demo. So, again, here on Barrie, we're gonna see another line of police blocking off the street. Same goes for alleyways. Alors, même les ruelles sont barrées. Alors là, on a l'anti-émeute qui barre Barrie vers le nord. Riot teams blocking off Barrie. Barrie North. On peut voir aussi au coin de Saint-Denis, Ontario, un autre minibus d'anti-émeute. Avec l'anti-émeute qui était dans... Oh boy, ils courent pour reprendre leur minibus. Là, il y a un des groupes d'intervention que j'ai pas réussi à avoir le numéro de casque de celui qui a le Harwin dans les mains. So I did not get the one of the information squad helmet with the Arwen. I did not get his helmet number. Hey, just bien faire, il est drette là en avant de moi. Et lui, il sait pas. S'il place sa visière, là, on pourrait y voir son numéro de casque. Tout un morceau des mains, là, ce serait vraiment pas pire qu'on puisse voir ton nom, hein? Yes! Merci. 4-5-3-3, merci! Yeah! Donc, les deux Arwen Carriers have been... Identify, 4533 is this one here. Actually, he's not... No, c'est pas Arwen que lui traîne. C'est un single shot 40. Même chose, mais moins... juste une fire rate de moins fort. Ouais, mais... Encore une fois, ils ont le choix de ce qu'ils mettent comme cartouche là-dedans. Ça peut être flashbang, ça peut être CS, ça peut être... Exactement. Ça peut être aussi les petites crises de balles de rubber là, qu'ils utilisent bleu. On va se calmer un peu avec eux autres. Alors, on est de retour sur Barrie, direction sud. We are now back on Barrie, heading south again. Alors... Ah oui, la SPVM, c'est une équipe de tournage pour eux autres. Alors, il y a toujours une ambiance festive dans la manif. There's still a very festive ambiance inside the protest. As you can hear, there are some people playing music. There's a saxophone, there's a few drummers. So it is very festive. D
The only tension moments are coming when the police are blocking certain streets to prevent the protest from heading where it wants to head. Ah ben aussi surprenant que ça puisse être, Maisonneuve est maintenant ouverte, ou bien le groupe d'intervention là, va barrer. Ça, c'est la même gang qui est à Saint-Denis, Ontario, en haut. Ouais, c'est ça. Fait que le pattern qui recommence, the same pattern starting again. They're gonna blockade every... Et voilà, on peut même voir à Sainte-Catherine que les anti-émeutes se redéploient pour refermer le carré. T'es live, hein? Je pense qu'elle savait. Alors, complètement à l'arrière de la manif, on a les commandants, le véhicule de communication ainsi que le... Oh, oh, oh! Oh! C'est quoi ce sifflage-là? Moi, je veux le coin ici. Oh, ça court, ça court! OK, il y a eu un changement de direction soudain de la manifestation qui descendait vers le sud lorsque soudainement ils ont reviré de bord pour s'en aller Maisonneuve vers l'est. So protesters were heading Barrie south when suddenly they changed direction to take Maisonneuve heading east. Mais ils iront pas bien loin parce qu'à Saint-Hubert c'était déjà bon. Ben oui, c'est ça, les équipes sont déjà là à Saint-Hubert, Maisonneuve. So, there's a riot team and many officers right on the corner of St. Hubert and Maisonneuve. Bike squad just passed on my left. OK, fait que de Maisonneuve-Est, on s'en va Saint-Hubert-Sud. Alors, comme mentionné, il y a déjà des groupes de policiers qui étaient prêts à Saint-Hubert et Maisonneuve. Alex! And, I got a bad feeling. Alors, Saint-Hubert, Sainte-Catherine, les mêmes groupes que plus tôt sont déjà en place pour redévier la manif. Stand up! Sainte-Catherine, Saint-Hubert, stand up! Oh, il y en a un qui joue du bâton. Qui
on n'a rien volé. Nous, 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 on n'a rien volé. There we go! Pepper spray being deployed! Ça vient de Poivré, Saint-Hubert, Sainte-Catherine! OK, il y a un autre groupe. Quoi, ça, c'est un anti-émeute qui arrive? Non, c'est un autre groupe d'intervention qui a... Non, oui, c'est de l'anti-émeute qui ont bouclier. Là, il y a un groupe d'anti-émeutes qui est installé à l'arrière de la ligne de police. There's a riot team that just deployed in the back of this line of police here.